De retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et le 12 mars prochain aura le deuxième salon virtuel, mon bébé. Donc, c'est un salon en ligne. Vous avez mais pas... ça, c'est mon genre de truc. T'es gros paresseux, tu veux pas te lever. Exactement. C'est la deuxième émission. On en parle avec M. Vivien Virgili et M. Arnaud Kelly-Casselan de cette deuxième édition. Juste nous expliquer qu'est-ce que c'est exactement. Parce que tu disais que c'est en essor, là, les genres de salons en virtuel. Ligne. Comme ça, là. Alors oui, c'est en plein essor. Ça, oui. Au Canada, c'est limite une exclusivité. Il y a eu quelques précédentes de l'emploi. Mais là, pour le bébé, c'est nouveau. C'est une nouvelle. Alors, vous avez tous fait un salon, je pense que vous êtes baladé dans un salon physique déjà. Bah oui, voilà, donc vous avez fait. Ouais. Mais là, c'est dans le virtuel. Donc, on est sur Internet, direction le www.salonvirtuelmonbébé.com. Mm-hmm. Et on se connecte, on s'inscrit, on a un badge, on accède au hall. On a un badge. On a un petit badge numérique. Okay. Et on rentre dans le salon. Il y a une hôtesse d'accueil qui nous accueille. Et après, on se balade. Il y a des conférences. C'est ça. Il y a également plein de stands. Alors, on a de tout. On a du service, on a de l'info, on a du conseil. On a des assureurs de qualité avec Arnaud et Industriel Alliance. Non, on a vraiment beaucoup de monde. On a même Santé Canada qui nous a fait confiance cette année, puis qui seront présents. On a des boutiques spécialisées comme Rose Bleu à Montréal. Non, on a beaucoup de monde. Et on ouvre l'événement à tout le Canada cette année. Mm-hmm. Et donc, on a même des amis de Vancouver avec Goose & Gus qui vont être présents sur le salon. Et là, comment ça se passe quand on fait notre première? On voit une vidéo en ce moment. Je vois des images. Moment, mais... C'est-tu vraiment comme ça? C'est exactement. Oui, oui, tout à fait. C'est comme ça. Donc, vous allez vous balader avec votre petite souris. Vous allez diriger. Il y a des petites lignes de croix. Donc, vous allez tout simplement suivre votre parcours et vous allez pouvoir discuter avec les exposants, puisque les exposants vont être derrière leur écran et vous allez pouvoir leur poser des questions, les voir en webcam, discuter avec eux. C'est vraiment mais est-ce que tu dois faire une file d'attente? Parce que je veux dire, si on est 4-5 sur la même personne, genre, comment ça fonctionne? Alors, mais pour les clavardages, donc le texte, les questions vont être traitées en priorité. Okay. Donc, les premières questions posées vont être traitées par l'exposant en premier. Et pour les discussions en privé, pareil, il y a un ordre, une file d'attente, s'il y a beaucoup de demandes. Mais ça va être des discussions même privées. On n'est pas obligé de la faire directement sur le stand. Okay. On n'est pas obligé de discuter directement si on veut quelque chose de précis, de... Voilà, un peu peut-être intime, on ne sait jamais. Mais ça, c'est bien parce que tu vois le nombre d'attentes que tu peux aller te chercher un café, tu perds pas ta place en ligne. Moi, je trouve ça vraiment génial. Et on peut même porter l'ordinateur dans sa cuisine, c'est pareil. C'est pour Pierre-Antoine. Puis là, tu as mentionné un des commanditaires, c'est l'Industrielle Alliance. Et M. Arnaud, vous êtes là. Pourquoi vous avez décidé de vous associer avec ce salon-là? Mais en fait, moi, de base, j'ai deux casquettes. Je travaille pour l'Industrielle Alliance et j'ai fondé une compagnie qui s'appelle Promobox. Mm-hmm. Donc, c'est sûr, pour l'Industrielle Alliance, le cœur de cible, c'est toujours les familles. Mm-hmm. Oui. Et surtout avec les produits tels que les régimes épargne études. Donc, à partir de là, voilà, c'est ça, investir dans leurs enfants. Et à partir de là, avec Promobox, en fait, c'est plutôt un concept de promotion, d'articles promotionnels. On l'a ici. Exactement. Donc, vous voyez, c'est une boîte qui est pour toute ouverture de régime individuel d'épargne études pour les enfants de l'Industrielle Alliance. Il faut savoir que l'Industrielle Alliance remet, eux, un 15% de vos cotisations. En plus des subventions gouvernementales et des intérêts de placement, l'Industrielle Alliance remet un 15%. Donc imaginez. C'est un gros chiffre dans ma tête, 15%. C'est ça, vous mettez 100$, vous mettez un 15$ de plus à la fin, ce qui est traduit comme un boni d'études. Oui. D'accord. Et Promobox, en fait, on s'associe avec Industrielle Alliance pour toutes les personnes qui ouvrent un régime, en fait, reçoivent une petite boîte tirelire. Et dedans, en fait, ça fait la promotion de. Il y a des cadeaux. Exactement. La boîte est géniale. Oui, c'est vraiment sympa. Quoi. Oui. Comment ça fonctionne? Parce que je me dis, quand je vais dans un salon physique, ça va, la personne me donne le cadeau. Mais là, c'est virtuel. Comment ça fonctionne? Alors, c'est très simple. Hein. Aujourd'hui, on le sait, là, quand on commande en ligne, ça arrive très vite à la maison. C'est pareil, c'est le même principe. Okay. Alors, pour les accros, les visiteurs qui veulent à tout prix les bons plans, les rabais, les concours, on en a énormément sur le salon. Donc, il ne faut pas hésiter, inscrivez-vous. Et pour recevoir, par exemple, l'Indus Box, parce qu'elle s'appelle Indus Box, il n'y a pas de souci. Si vous prenez votre régime, on vous enverra ça par la poste et vous la recevrez sous 48-72 heures. Là, on a des cadeaux de valeur de combien, là, à peu près? Là, vous voyez, j'ai pas d'enfant, mais j'allais en faire. Il y a Natachus, tu vois, qui est des produits en plus pour garçons. Et vous avez aussi dedans donc le petit dépliant. Ah, okay. Et dans le petit dépliant, en fait, vous avez une carte cadeau de 20$ dans les magasins Anaya. Oh, wow. D'accord. Vous pouvez aller dans leurs boutiques qui sont en rive sud de la région de Montréal ou alors sur Internet pour tout le Canada. Vous avez aussi une de nos créations Jacqueline qui fait, c'est vraiment un produit artisanal. Oui. Qui fait des attachés exposants, qui fait tout est fait à la main. D'accord. Oh, wow. Modelé et peint à la main. Ouais, ça se voit. Ouais. C'est ça, c'est vraiment hot. C'est très rare aussi, les trucs pas à la main. C'est vraiment bon. Et vous avez une troisième partenaire, qui en plus de l'Australien, c'est le magasin Identité, qui eux font des petites... Des étiquettes.
Personnalisable. Ah, oh, ben oui, pour les boîtes à lunch. C'est ça. Oh, les exactement. Bon, là, c'est pas personnalisable, hein, c'est juste pour vous montrer, oui. Mais c'est personnalisable. Mais je voudrais que je les utilise juste pour moi. Pour toi. Pour commencer à m'organiser dans le bureau. On aura l'étiquette barbare. Ça peut être sympa. Il faut parler d'un truc, je pense, qui est assez important aussi, parce que, bon, quand on va à un salon physique, je fais toujours la comparaison, il y a des heures, il y a un horaire. On ne peut pas se pointer à 2 heures du matin et puis espérer. Mais sur Internet, dans ma tête, je me dis, c'est supposé être 24 heures. Est-ce que. Exactement. C'est vrai? Mais oui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là c'est fantastique. Les exposants ne dorment pas? Mais si vous... Non, alors oui. Les exposants ont la liberté d'être présents ou pas. Donc, de temps en temps, ils vont prendre leur repos, je pense. Okay. Mais voilà, non, de 9h à 18h, vous trouverez les exposants sur leur kiosque. Et sur les heures après, c'est à leur bon vouloir. S'ils veulent être présents, ils le sont. Sinon, bah, et comme on a des décalages horaires avec le Canada, puisque c'est tout le Canada, et on va trouver toujours des exposants qui seront présents. Donc, ça, c'est génial. Si on parle de quel genre d'exposant, qui va être là vraiment? Alors, un petit peu de tout. Okay. On a, comme on les citait, Anaya, des petites boutiques comme Identité. On a des grosses marques comme Rose ou Bleu. C'est des gros magasins avec beaucoup de marques présentes. On a aussi du service, comme on disait, Santé Canada qui va apporter quelques campagnes de communication récentes. Donc, on les laisse présenter leur projet. Et des conférences, je sais qu'il y a des conférences aussi. Oui, on a des super conférences. Non, mais des beaux thèmes. Là. Ouais. Si les jeunes mamans, c'est vrai que je ne suis pas une maman, là, je ne veux pas être là. Mais c'est vrai qu'on peut se dire, c'est vrai, de l'appréhension. Il y a vraiment de l'appréhension quand on va coucher. On se dit comment ça va se passer. Après, pour mon bébé, comment je vais l'allaiter, tout ça. On aura des conférences spécialisées pour toutes ces petites questions-là qu'on peut se poser dans la vie quotidienne. Donc là, des réponses à vos questions, simplement en un clic sur votre ordinateur. Donc c'est... Voilà. Deux questions deux pour terminer. Vite. Ah, oui. Rapidement, c'est où et c'est quand? Alors, c'est où? C'est sur le www.salonvirtuelmonbébé.com. La même chose en anglais, www.mybabyvirtualfair.com. Et c'est quand? Du 12 mars au 14 mars. Voilà. Oh, c'est ça. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Nous, on va faire une capsule maquillage avec Kimberly Tessier. Aujourd'hui, nous allons discuter des soins de la peau pour maintenir une belle peau plus jeune et plus radieuse le plus longtemps possible. Alors, on va commencer avec l'exfoliation de la peau, qui est très important. La brosse Clarisonic est un exemple d'un produit que vous pouvez vous procurer qui va permettre à votre peau d'être bien exfoliée et préparer la peau à absorber les produits qui vont ensuite être appliqués. La deuxième étape, certainement, que vous utilisez avec la brosse,